Ali Diop et Prince Baïfal, qui vient du Sénégal, Dakar précisément. Okay. Je suis là à Paris pour faire la même musique et tout. Je veux préparer mon album, cherche des producteurs. So I say, these are some shoes that all I can see. I'm just a designer's and plan. For the process, how to lie, socialize, and realize. To let the sunshine to rise every day. Let the moon shine to the peaceful night. This is center noise, center for. But I don't really believe in the falling. It's zero. Cause life continues at the goal. If you really want to know to the night, I couldn't be told. No, 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 no. Donc du coup, je suis là pour faire ça. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer de me faire connaître dans le Paris, et partout dans la France pour que quelques vous apparaissent peut-être. Sinon, moi, j'essaie de me faire l'album moi-même, quoi. Ok. Donc voilà, quoi, je suis là pour ça. Fais que la musique pour l'instant, que la musique, je pose pas. All time music. Thanks a lot to the Mosaya. Thanks a lot to the Mosaya. Prince, on sait ce que c'est, hein. Ouais. Tu vois, le fils du roi, tout ça. Okay. Mais Baïfal, moi je sais, okay. Je suis sénégalais. Yeah. Mais pour ceux qui ne sont pas sénégalais, qui nous regardent sur We Love Jam We TV, Love Jam, tous les jeudis, yeah. Tu peux nous expliquer un peu? Baïfal, c'est déjà une façon de vivre, c'est une philosophie. Baïfal, on trouve au Sénégal des Baïfal. On a un guide spirituel qui s'appelle Mamcha Baïfal, qui est un peu comme notre père, c'est pour ça qu'on utilise le mot Baïfal, quoi. C'est quelqu'un qui vit simplement, qui se prend pas la tête. Tout ce qu'il a, il partage avec les autres. C'est une philosophie, une façon de vivre, quoi. D'accord. Même quand on est le plus grand chanteur ou que quoi que ce soit, le plus friqué, on manque pas, quoi. Tout ce qu'on a, c'est pour... Tu prends l'autre comme toi, l'autre prend toi comme lui, quoi. C'est ça, on va faire. C'est une façon de vivre, une façon d'être simple. C'est un esprit. Voilà. À équivalence, on va dire, c'est un rasta. Voilà, c'est un rasta. C'est un rasta, voilà. Ils étaient premiers à rêver d'Eldorado. Ça, je dois bosser avec mon groupe parce que je viens de rassembler des gars. Donc on va commencer à répéter en groupe et tout. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas encore les dates précises pour les autres concerts, mais ce sera bientôt. Suivez l'info aussi, We Love Jam TV.
Vous allez voir qu'on va vous donner encore. Donc toutes les infos sur toutes les infos sur We Love Jam TV ou sur Facebook. Sur Facebook. Lidio Prince Bifal. Mon nom de ça c'est pour côté musique. Pour me contacter moi, c'est Ali Diop, A L Y D I O P Diop. Oh my heart, press me down, man. Press me down, man. Press me down, man. Oh my heart, press me down, man. Press me down, man. Press me down, man. Oh my heart, press me down, man. Woman is my mama. Woman is my sister. Woman is my daughter. Woman is my wife. Money is on me, eye. Money is on the mic. Money is on the door. Money is on the jabber. Every man needs a woman. Every woman needs a man. Every girl soul of good. Woman is a wood, woman is a life. Oh my heart, rest in a woman. Pull for door, pull for saga. Ça c'est mon manager, mon taxi. Salut taxi, choriste, manager, sista. C'est déjà suffisant je crois. Déjà suffisant, voilà. Donc voilà, okay. Elle est là, elle s'appelle Huidal. Salut, enchantée. Africa, I'm come to Africa, Sénégal, exactly. Gabon, Gabon, ça le fait, dans We Love Jam. Donc, ne ratez plus les We Love Jam lundi au Cariatide là. Oh, si tu rates ça mon gars. C'est fini pour toi. Ok, t'as vu. Okay, let me introduce this guy. He's a brother, mm-hmm. A big artist. Yeah. Living in New York, but a brother, Kayatu and Mahu. Senegalese invasion, c'est ça? Yes, Senegal. Invasion. Born and raised, yeah. Donc okay. C'est un artiste sénégalais mais qui vit actuellement à New York. D'accord. Et puis il a fait beaucoup de collaborations, il a un groupe là-bas, un grand groupe. J'ai pas eu la chance de le voir vraiment live, mais sauf dans des vidéos et tout. Mm-hmm. Mais j'ai vu ses titres avec Peter Morgan Heritage et Damien Marley. Et encore qui encore? Keppelton, donc Uroy, et puis il fait la prépare ou non, il fait un concert avec Uroy à la Belle Vivace. We not take no jokes. Roots and culture, we talking to
my name is Meta from Meta and the Cornerstone. Okay. So yeah, I'm here. We're on tour actually, you know, with Talowa. Mm-hmm. So we're getting ready, releasing our second album, which be gonna be launched by the label Soul Beats. So that's why we're here, and we just came today. Okay, so you came to promote your next album. Yeah, the next album. Yeah. I want to wait. Exactement. J'ai découvert cet endroit il y a très peu de temps et je reviens régulièrement parce que c'est toujours des bonnes vibes, c'est toujours des bons échanges de sons musicaux. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec Hurricane, il vient de poser là tout à l'heure, là il nous a mis le feu au cariatide, donc voilà. Hurricane pour We Love Jam. Ok. Got it in the blood, blood deep in my soul. Got it in the blood, blood deep in my bones. God bless, yes, got it in the flesh. Thanks to my mother, she always give me the best. We love yeah, 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 yeah. No, no. Whoa.
suis pour. Te prouve qu'il ne valent qu'une seule chance que tu doutes. Les critiques, je les accumule. Dis-moi même si y'en a foutre, je m'en bats contre coûte, peu importe que ça coûte. Bonsoir. Bonsoir. Tu te prénommes ? Chloé. On m'appelle, certaines personnes m'appellent Oz. Pourquoi Oz ? Ben, c'est Oz pour osmose. Ah, ok. Parce que tu te sens en symbiose totale, en osmose, avec tes instruments, ta guitare quand tu joues. Ouais, avec ma guitare, oui. Ouais. Ouais, à chaque fois que je chante un son, c'est, je me remets dans la raison pour laquelle j'ai chanté, tu vois. C'est focus, on va dire. D'accord. Ton style, tu le décrirais comment ? Je dirais, je sais pas comment définir mon style, du blues, des chansons qui parlent de sentiments, tu vois, ce genre de chansons. D'accord. Je sais pas, vraiment, je sais pas. T'as pas vraiment de style, t'es plus en ressenti. Voilà. Ça dépend, il y a des chansons que je vais écrire en reggae, d'autres que je vais écrire en blues, ça dépend, tu vois, c'est... Ouais. Je chante comme... D'accord. Comme ça sort. Je chante comme ça sort, tu vois, chaque son, c'est, ça sort. Si ça sort en blues, ça sort en blues, ça sort en reggae, ça sort en reggae. Si ça sort en zouk, ça sort en zouk, tu vois, c'est, c'est comme ça. Ok. So feeling. Yeah. C'est un joli jour pour nous célébrer, baby. First time I saw you, I knew you'd be my baby. Même si c'est en risque, for nous apprendre. La guitare, ça fait plus longtemps que je compose. D'accord. Donc avant t'écrivais, t'as toujours écrit Ouais, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit Donc c'est mon moyen de m'exprimer. Je pense que comme beaucoup de chanteurs, c'est un moyen de s'exprimer. Et en général, toutes les chansons que j'écris, c'est destiné à une raison, c'est une raison, tu vois. Ouais. C'est soit c'est parce que ça me concerne, le plus souvent ça me concerne, directement ou indirectement, mais c'est toujours quelque chose qui me touche, parce que si ça me touchait pas, je pourrais pas l'écrire. Bien sûr. De la même façon, je peux pas mettre devant une feuille et dire tiens, je vais écrire sur ça. Ça sort pas. Ouais. C'est vraiment quand ça doit sortir, ça sort. Très bien, très bien. Et donc, à côté de ça, je veux dire, est-ce que tu as des projets, quelque chose à côté en construction de ça, tu parles projet de vie ou projet de musique ? Ce que tu veux. Un projet musical en fait. Projet musical pour l'instant ça me plaît bien, une petite jam session comme ce soir. Ouais. C'est la première fois que je viens à Wheel of Jam. Sinon j'ai participé à d'autres jam sessions. Ouais. Et j'avoue que là ça me plaît bien, c'est convivial, l'espace est restreint, c'est une petite famille quoi, il y a pas. Je peux venir sur scène, c'est tranquille. Ah ouais, là en plus t'as vu, t'as pu faire Une petite compo. Trois titres t'as fait. Trois titres. En général, des fois, quand il y a du monde, vraiment tu. Ça tourne vite quoi, faut attendre ton tour et tout, donc là ça va quand même, t'as pu... D'habitude je me sens stressée et puis là je me dis j'étais bien, je sais pas, et là c'est ça la magie sur scène de la jam session, parce que t'as des musiciens qui connaissent pas ton son et puis ils viennent dedans et puis... C'est clair. T'es là, t'entends, même tout à l'heure j'ai fait le reggae et il y avait au fond des voix, ils ont fait les chœurs et tout, je me suis dit c'était trop bon. C'est clair. C'est trop bon, t'as les gens qui captent. C'est là que tu réalises que tu arrives à envoyer ce que tu peux envoyer avec ta chanson, tu vois. Et c'est là que ça fait du bien. Allez, yo ! Donc je suis avec Mounir Katché. Oui. Voilà. Fameux personnage des nuits parisiennes. Ouais. Je dors pas, regarde ma tête. Tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Ouais, ça va, on fait aller, écoute. Hein. Bah, cool.
cool, ça fait plaisir d'être là. Bah ouais, on t'a jamais vu encore dans les environs, donc ça fait plaisir. En fait, je t'ai jamais venu, vraiment. C'est vrai? C'est vrai? C'est la première fois. Aïe, aïe, aïe. Sincèrement, ouais. Depuis un an, quoi. Ouais, depuis un an, parce que je faisais des trucs le lundi. Effectivement. Voilà, j'avais des choses à faire. D'accord, donc bah écoute, dis-nous, parle-nous-en justement de des soirées que tu organises. Alors moi je gère un lieu qui s'appelle Orphée. Ouais. Et du coup donc il y a plein de soirées chez Orphée, mais musicalement parlant. Mm-hmm. Il y a des concerts le mercredi. Mm-hmm. Et la jam scène ouverte jeudi avec D'accord. Vincent Lafleur. Le jeudi. Des super musiciens. Yeah. C'est très cool. C'est ok. Et donc. C'est moi. Ok, donc le mercredi, c'est des concerts, c'est à quelle heure? Ouais, c'est des concerts, ça commence à 20h30 parce qu'il y a une première partie. Ouais. Et ensuite, le concert lui-même commence à 21h30. D'accord. Et là, en résidence, il y a Julia Sina, en alternance avec Maureen Ango. D'accord. Donc des bons artistes, quoi. Ouais, très il faut bons venir artistes, voir. Très belle programmation, venir écouter. C'est moi qui l'ai fait. Ok, et le jeudi, la jam scène ouverte, c'est à. Alors, c'est scène ouverte plus chanteur, du coup, chez Orphée, avec Vincent Lafleur au piano. Il y a une liste de chansons, pop, R&B, il y a un peu tout. Mm-hmm. Voilà, vous choisissez une liste dans la chanson, les chansons que Vincent connaît, puis vous l'interprétez. Voilà, d'accord. C'est piano, et puis des fois, on a des guitaristes qui arrivent, qui se branchent. Voilà, un petit peu un petit mélange, et c'est très sympa. Très bien. Donc, c'est à l'Orphée. Ouais, Orphée, c'est 7 rue Pierre Fontaine. C'est métro Pigalle ou Blanche. Mm-hmm. Et attention, il faut sonner parce que du coup, il n'y a pas de devanture et c'est dans un immeuble. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. C'est comme ça... un appartement, ouais. C'est très sympa. Les soirées à l'Orphée le jeudi, c'est ça? Exactement, moi j'organise des événements tous les mardis au bateau phare et je passe une annonce, je cherche des artistes pour les scènes ouvertes et les showcases qui se produisent en première partie de ces soirées-là. D'accord. Au bateau phare sur la terrasse avec DJ, happy hour jusqu'à 19h, mojito, tapas. D'accord. Très bien, donc messieurs les musiciens, les chanteurs, vous êtes les bienvenus au bateau phare, il faut venir. Voilà. Tu m'as dit que c'était quand? Tous les mardis. Tous les mardis soir. À partir de 19h jusqu'à 1h du mat. Ok, ok. Voilà. Donc l'appel est lancé. Venez les amis, il faut venir.